Moi, j'ai dit souvent, au-delà d'un budget que nous sommes en train de fabriquer, le dos au mur, dans l'urgence, l'extrême urgence et la gravité d'une situation financière et économique, il faut qu'on relève la ligne d'horizon. Moi, je suis dans cet état d'esprit-là, si on m'en donne le temps, relever la ligne d'horizon. Et nourrir les... Je vais dire, je vais pas dire les 5 années qui viennent, parce que là, je passe par-dessus ma condition. Hein. Mais disons les 2 années et demie qui sont devant nous, jusqu'aux élections présidentielles, puisque nous sommes rythmés par des élections. Nourrir ces 2 années et demie de projets, d'actions utiles pour la France. J'ai pas de la simplification, ça va prendre au moins 2 heures et demie. J'ai évoqué des actions en faveur de l'attractivité, le maintien du pouvoir d'achat, et puis d'autres actions plus concrètes. Par exemple, j'en cite deux. Le fait de montrer dans ce pays que le travail, c'est le plus important, que le travail doit payer, parfois mieux payer, en tout cas mieux payer que l'addition des allocations. Nous allons créer une allocation unique, l'allocation sociale unique, en dehors, en laissant de côté l'allocation pour handicapés. Et il devra être clair que cette allocation sociale unique, c'est un gros chantier, hein, compliqué, pour tous les bénéficiaires d'allocations, au total, devra faire une différence avec ce que rapporte le travail. Et donc, nous voulons encourager le travail.